Bienvenue à Val Thorens pour cette édition 2009 de la Luge Cup, avec toujours la même piste, à savoir on part de 3000, on arrive à 2400 mètres d'altitude, 6 km de long, et un record à battre de 6,35 qui cette année a été pulvérisé par à peu près 19 participants, le vainqueur ayant dévalé la piste à plus de 73 km/h de moyenne, 5 minutes 44 secondes et 49 centièmes. Toujours le même vainqueur, Jean-Fred Chapuis, le recordman de l'année dernière. Non, je suis venue avec une amie, collègue, voilà, on fait la saison ensemble au Minière. Tout à l'heure, on est parti l'une après l'autre, et là, on va partir ensemble, ouais. Ouais. On va jouer un peu à Mario Kart. Ouais. Voilà. As we stand on the brink, out of nowhere on the verge of tears. Can you feel my heartbeat? It will echo through the years. Moonlit legs and the misty shrines, dead poets and mischievous sprites. That's the possessed witch. Drink that old green fairy and get some poetry out of it. Oh, c'est vraiment sympa quoi, c'est sympa mais ça fait mal au cul. Ça fait mal au cul, j'ai les doigts gelés, mais on est content d'avoir participé, d'avoir fait sûrement dernier, mais je suis content d'avoir fini quoi. Oh bah c'était bien ça. C'est dur et quand on freine un peu avec les pieds, on prend tout dans la figure. Donc c'est ça ce qui fait un peu mal. Mais pour tourner, c'est quoi la meilleure technique? Plutôt avec les freins et un peu avec les pieds. Alors, il y en a qui le font avec les mains. Moi, je m'allonge dans la luge. J'ai l'arrière de la luge derrière la tête. Et en fait, c'est une question de centre de gravité à mon avis. Plus tu penches à droite, plus tu vas tourner à gauche. Il faut être bien allongé dans la luge, bien prendre appui sur l'arrière et puis bah, ça va tout seul. Time I was found.